Alors toute action a besoin d'être évaluée. Évaluée par rapport à quoi ? Par rapport à ce qu'on voulait faire, pour mesurer un peu où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou bien est-ce qu'on est juste à côté ? Cette formation d'aujourd'hui sur l'impact me paraît aussi une formation d'abord qui permet aux gens de prendre conscience de l'importance de cette mesure, parce que sans mesure, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on est. On a besoin de nous positionner et c'est une initiative, je pense, qui est réussie, que ce soit au niveau de la prise de conscience, que ce soit au niveau de l'appropriation de l'outil. Ce n'est pas encore une appropriation totale, mais il y a toujours une possibilité d'accéder à la plateforme Cerise et de s'approprier individuellement l'outil. Je m'appelle Yon Salé, je suis chargé de programme dans une association qui s'appelle Cerise. Cerise, c'est une organisation qui travaille avec des organisations qui poursuivent un but social. Et l'idée, c'est de les accompagner à renforcer la manière dont elles traduisent leurs intentions sociales, leurs objectifs sociaux, dans les opérations quotidiennes pour maximiser en fait l'impact sur leurs bénéficiaires. Donc, je suis ici dans le cadre d'une formation que je donne en Tunisie au Labès et au réseau Chabaka dans le but en fait justement de les aider, les accompagner pour renforcer leurs pratiques d'évaluation sociale, d'évaluation d'impact en leur présentant les meilleures pratiques développées par Cerise, les outils SBS et outils méthode SIG en particulier. Je trouve que une démarche très mature et intéressante pour le réseau Chabaka de faire ça aujourd'hui. Le réseau qui a des enjeux de structuration, de création, de développement, d'identification des nouveaux acteurs et qui, à travers des outils un petit peu systématiques, va pouvoir générer une approche rigoureuse, sérieuse et qui permette de parler un langage commun également entre tous les acteurs actuels et à venir de l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Voilà, merci à tous. Il y a un autre élément, je pense, qui est important, c'est le fait de lier cette mesure d'impact aux ODD, aux objectifs de développement durable, qui constitue aujourd'hui un cadre de référence pour tous les pays, parce que les ODD n'ont pas été construits par les pays industrialisés, mais aussi par une participation importante des pays en développement, et la Tunisie a participé à cette construction.